Salut, je m'appelle Naomi et aujourd'hui avec Thomas, on est de Corvée Poney. Donc ça va bientôt être l'heure des cours de club pour les enfants qui montent à poney. Donc on va accrocher les chevaux qui vont être montés ce soir à la barre d'attache et ensuite on doit nettoyer les paddocks des poneys. Et vu qu'il n'y a plus beaucoup d'herbe en ce moment dans les paddocks, on va être obligé de réinstaller un petit peu de foin pour les poneys. Donc ça va nous prendre pas mal de temps. Donc on a un endroit ici où la prof le matin elle nous écrit les poneys qu'on doit attacher. Donc là visiblement on en a pas mal. Donc bon bah on va aller prendre l'hélicole. Moi je vais commencer par Georges et Pin-Up. Et puis Thomas il va prendre qui Napoléon et puis Lady. Bon, donc voilà, je viens d'accrocher Napoléon, j'y enlève son manteau. De toute façon, on va enlever les manteaux de tout le monde parce que là, il commence à faire bon à nouveau, donc ça sert plus à rien. Bon, Thomas est en train d'accrocher Pin-Up. Moi, je vais regarder qui est-ce qu'il faut que je sorte encore. Alors, les trois Shetland, il y a Paprika, Princesse et Roméo. Et voilà. Bon, puis après, il y a encore Allumette et Odessa et c'est tout. Thomas? Ouais? Tu sors Odessa? Je vais m'occuper d'Allumette. Ok, pas de soucis, tu me donnes à l'école? Tiens. Bon, donc là, on va commencer par le champ du fond. On va faire passer tous les poneys qui sont en grand champ dans le plus petit pour pouvoir s'occuper de ramasser les crottins et puis de remettre de la litière dans l'abri. Allez, les loulous! Voilà, ma belle. Hop, c'est bon, on va refermer le champ. Alors, on ne peut pas venir avec le tracteur jusque-là. Donc, Thomas a ramené seulement la remorque et on va pouvoir mettre bah, tous les crottins qu'on va ramasser pour l'instant dans le champ. Voilà, c'est tout propre. Bon, alors maintenant, on va s'occuper d'enlever toute la litière là qu'il y a dans l'abri et on va en mettre de la nouvelle. Bon, et ben c'est vachement bien rempli. On a tout enlevé. Il n'y a plus qu'à en remettre du tout propre. Et voilà, le champ est tout propre. Je vais rouvrir la porte pour que les chevaux repassent. Puis cette fois-ci, on va tous les mettre de l'autre côté pour faire pareil dans le deuxième paddock. Bon, ça y est, tous les poneys qui vont être montés ont été attachés et on a tout nettoyé les deux paddocks pour les enclos des poneys. Donc là, on va attendre tranquillement que les élèves arrivent pour les aider à seller les poneys pour bah, les plus petits. Comme ça, on les aide et on leur montre comment faire. Et ensuite, bah, on ira prendre notre goûter parce qu'on a pas mal de devoirs ce soir. Coucou toi! Elle est trop mignonne. Et là-bas, vous avez Gloria, qui est donc une petite pouliche frison, qui a été abandonnée par sa mère. Et du coup, bah, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Donc j'espère qu'elle va venir nous voir. Oui, j'ai l'impression qu'elle vient vers nous. Coucou mademoiselle. Elle est trop chou. Ah, il y a une voiture qui vient d'arriver. Je crois que c'est un enfant qui va monter à poney. Bonjour. Bonjour. Tu viens monter pour la première fois? Oui, c'est mon premier cours dans ce centre équestre, mais j'ai déjà monté à cheval avant. D'accord, bah viens, on va aller regarder qui est-ce que tu montes aujourd'hui. Alors, comment tu t'appelles? Emma. Alors, Emma, tu montes Odessa. Je vais te la montrer, tu viens? Alors, Odessa, c'est cette jument-là, tu vois. Elle est super gentille, tu vas voir. On va aller chercher ses affaires. La sellerie. Et alors là, c'est le gros bazar, mais on va essayer de trouver les affaires d'Odessa. Alors, est-ce que tu sais brosser un cheval? Oui, je l'ai déjà fait plein de fois. D'accord, alors bah, je te laisse te débrouiller et puis bah, tu m'appelles si tu as besoin d'aide. Excuse-moi, oui,
J'aurais besoin d'aide pour mettre le filet, s'il te plaît. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Alors regarde, d'abord je te montre. En premier, tu peux passer les rênes par-dessus l'encolure. Et ensuite, tu mets le mort. Voilà, et après on passe les oreilles par-dessus la tétière. Et voilà, tu as compris? Oui, merci beaucoup. Bon ben voilà, j'ai aidé tous les élèves qui avaient besoin. Je vais aller voir ma jument pour lui faire un petit bisou, vérifier que tout va bien. Et puis bah comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais aller à l'internat pour travailler un peu parce que la semaine prochaine, on a pas mal d'examens. Coucou ma belle, ça va? Bon, ça a l'air d'aller. Je vais lui donner une petite pomme. Bon, bah je vais aller faire comme Émilie derrière moi, je vais aller travailler un peu. J'espère que vous l'avez et que la vidéo vous a plu. Et puis bah je vous dis à très bientôt, vous nous reverrez quand on fera une prochaine vidéo au sport études. À bientôt.